folle, j'ai connu la victoire. En tout moment, je suis toujours triomphant. En tout moment. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui encore nous a fait grâce, celui qui nous a encore accordé la vie, qui nous a encore accordé la paix, la joie, le bonheur de nous retrouver encore devant vous pour vous présenter les nouvelles requêtes de prière entrant dans ce cadre de 21 nuits de prière intense, de combat spirituel. Alléluia. Nous rappelons que ce programme a été inspiré par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui conduit ce programme afin de réveiller et maintenir la flamme du réveil toujours allumé et aussi et combattre pour son peuple, combattre les hommes forts qui perturbent ses brebis. Et donc, ce programme, comme vous le savez, a pour thème le Goliath de ta vie doit tomber. Le Goliath de ta vie doit tomber. Alléluia. Et quand nous parlons du Goliath de ta vie, c'est tout ce qui t'opprime, tout ce qui t'a mis en otage, tout ce qui t'a mis en captivité, qui t'empêche d'aller, qui t'empêche d'évoluer dans tel domaine, surtout dans le domaine spirituel. Alléluia. Surtout dans le domaine spirituel. Il y a des Goliaths qui peuvent combattre ta vie de prière. Il y a des Goliaths qui combattent même ta vie de sanctification. Chaque fois que tu prends la décision d'abandonner certains péchés, à un moment, tu te retrouves dedans. C'est parce que spirituellement, tu ne t'appartiens pas. Spirituellement, tu es esclave d'un plus fort que toi. Tu es esclave d'un Goliath qui te tient en otage et qui ne veut pas du tout que tu obéisses à Dieu. Alléluia. Parfois, quand tu prends même 3 jours de jeûne, tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. Parfois, c'est mot de vente. Ah, moi j'ai tel cela, mot de vente, ulcère et tout ça là apparaît juste au jeûne de 3 jours. C'est parce que spirituellement, tu n'es pas libre. Spirituellement, tu es en otage dans la main d'un plus géant que toi, d'un Goliath. Alléluia. Parfois, tu prends même la Bible pour méditer, tu n'y arrives pas. Mais quand tu prends ton portable, tu peux passer même 4 heures sur Facebook sans être ennuyé, sans même avoir le sommeil. Mais quand tu prends la Bible, c'est impossible de faire même 20 minutes. C'est parce que spirituellement, tu es lié, tu es en captivité. Alléluia. La prière même de nuit, on n'en parle pas. Tu n'arrives jamais à faire au-delà de 20 minutes. Même 10 minutes, tu as déjà commencé par bâiller. C'est parce que spirituellement, tu es dans la main d'un homme fort qui te tient en otage, qui ne veut pas que tu pries. Parce que quand on commence par prier, c'est pour faire bouger les choses. Quand tu commences par prier, c'est pour déplacer les montagnes. Quand tu commences par prier, c'est pour détruire les hôtels. Quand tu commences par prier, c'est pour envoyer des missiles dans le monde des ténèbres, dans le camp ennemi. Quand tu commences par prier, c'est des flèches qui sortent en cascade. Donc, le Goliath de ta vie, il connaît tout ça là.
et il ne veut pas te laisser la vie facile pour prier, pour jeûner, pour méditer la parole de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu médites trop la parole de Dieu, tu auras des munitions. Parce que la parole de Dieu contient des munitions. Alléluia. Ça contient des armes spirituelles. Donc quand tu médites trop la parole de Dieu, l'homme fort de ta vie sait que tu auras trop de munitions pour l'attaquer. Donc, il va t'envoyer la distraction, le divertissement. Au moment où quand tu commences par méditer, c'est en ce moment que quelqu'un t'envoie un long message sur WhatsApp. Et tu commences par lire ça et tu as même oublié déjà ta Bible. Ou bien c'est en ce moment, quelqu'un va t'envoyer un sujet qui te déconnecte même de la parole de Dieu. C'est parce que spirituellement, il y a un homme fort. Mais ce programme de 21 jours, le Seigneur Jésus-Christ, il a inspiré pour te libérer de cet homme fort, pour te délivrer de cet homme fort, ce Goliath de ta famille qui t'empêche de réaliser. Alléluia, parfois même dans ton songe, tu vois telle tante, tu vois tel oncle qui est même déjà mort, mais toi tu continues de le voir parce que son esprit t'a possédé. Alléluia. Ton esprit t'a possédé. Ou même de son vivant, pendant qu'il était encore en vie, il avait déjà prononcé des malédictions contre toi. Et des esprits qui sont chargés de mettre en accomplissement ces malédictions-là, eux, ils ne meurent pas. Ils sont toujours vivants. Donc, leur mission, c'est de mettre en exécution ces malédictions. Et chaque fois quand tu dors, tu continues de voir ces oncles-là ou ces tantes-là qui sont déjà morts. C'est parce que effectivement, c'est eux qui ont prononcé ces malédictions. C'est eux qui t'ont envoûté. C'est eux qui t'ont envoyé des malédictions. C'est eux qui t'ont envoyé des maladies. C'est eux qui ont volé quelque chose dans ta vie, qu'ils ont enterré dans des couvents de sorcellerie. Et malgré leur mort, ils continuent d'agir dans votre vie spirituellement. Parce que l'esprit qui leur obéit par la sorcellerie, cet esprit ne meurt pas. Alléluia. Mais pendant ce programme de 21 nuits de tir, 21 nuits de combat spirituel, 21 nuits de bombardement, je vous le dis en vérité, tout ce qu'ils ont semé dans ta vie, tout sera dévoilé, tout sera exposé par la puissance du Saint-Esprit, par la lumière qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu seras complètement libéré. Ne rate pas une seule nuit dans ces 21 nuits-là. Ne rate pas une seule nuit. Il faut bien compter. Chaque jour, tu vas faire reste tel jour. Voilà. Alléluia. Ça reste maintenant 20 jours. Alléluia. Donc, vous qui suivez ce programme, le Seigneur vraiment nous met à cœur de vous accompagner vraiment par ces requêtes de prière pour que vous ne ratez rien. Pour que vous ne ratez absolument rien. Parce que nous sommes en guerre. Tant que tu es vivant sur la terre, il faut savoir que tu es en guerre. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Si tu es à la lumière, il faut savoir que les ténèbres vont te combattre. Alléluia. La guerre entre le corps de Christ et le monde de Satan, que contient les satanistes, les sorciers, les rosicriciens, les francs-maçons et tout leur confrérie. Donc, il n'y a pas de repos pour nous sur la terre, peuple de Dieu. Je vous le dis et je vous le répète, il n'y a pas de repos sur cette terre-là. Il n'y a pas de repos, je vous le répète. Le monde des ténèbres ne dort pas. Il ne se repose pas. Il n'y a pas même de mi-temps là-bas. Il n'y a pas de congé dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de vacances. Donc, à mille fois raison, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, qui sont des premières cibles du monde des ténèbres, nous n'avons pas de repos. Il n'y a pas de repos à se donner tant que tu es vivant. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était encore et physiquement sur terre, vous voyez que la journée, il est au travail, en train de parcourir
les contrées, les villes, les villages pour évangéliser. Et la nuit, il est sur telle montagne, soit sur le mont Olivier, sur cela, pour prier, pour veiller et prier. Et c'est pour ça qu'il nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que la nuit là, quand il fait nuit dans le monde physique, c'est alors qu'il fait jour dans le monde des ténèbres. Alléluia! Quand il fait nuit dans le monde physique, quand il fait nuit chez dans le monde des ténèbres, c'est alors qu'il fait jour. Donc au moment où toi tu penses que ah, c'est le moment pour toi de dormir, chez eux, c'est le moment pour eux de travailler encore et encore. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il y a des démons qui sont chargés d'opérer spécialement dans la journée contre les hommes. Et la nuit encore, il y a d'autres démons qui prennent le relais. Donc, en temps normal, chez nous les chrétiens aussi, c'est qu'on doit se relayer même. Chaque seconde même, il faut forcément qu'il y ait une force d'intervention. Alléluia. Qu'il soit en activité, qu'il soit en action. Normalement, c'est comme ça devrait être. Mais malheureusement, nous passons trop de temps à nous reposer. Nous passons trop de temps dans les distractions. Nous passons trop de temps dans les divertissements. Nous passons trop de temps devant les écrans à suivre des choses du monde et tout ça là. Je vous le dis, le temps n'est plus à se reposer. Le temps n'est plus à se distraire. Le temps n'est plus pour les divertissements. Le temps que nous traversons, c'est le temps de se lever dans la prière. C'est le temps de combattre. C'est le temps de combattre les hommes forts de cette génération, les Goliaths de cette génération, qui sont armés, qui sont enragés, qui veulent dévorer les enfants de Dieu. C'est le moment pour les enfants de Dieu de se réveiller, de se lever dans la prière. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Combattons l'ennemi sans fusil et sans épée. Combattons l'ennemi sans fusil et sans épée. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat, alléluia. Combattons l'ennemi sans fusil et sans épée. Combattons l'ennemi sans fusil et sans épée. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que l'ennemi a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Alléluia, peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité.
Nous sommes dans un combat terrible où tous les coups sont permis. Si tu te reposes, tu vas recevoir des balles perdues. Donc, mieux vaut être en éveil, debout, armé, solide. Alléluia. Et veillez. Alléluia. Veillez. Augmentez votre niveau de vigilance. Augmentez votre niveau de discernement. Augmentez votre niveau de prudence. Et priez pour que le Seigneur vous donne la révélation. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels pour que vous sachiez ce qui se passe dans votre environnement immédiat, dans votre environnement spirituel, dans votre environnement. Que le Saint-Esprit ouvre votre esprit. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre esprit. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, c'est très important. Et pour ce programme, le Seigneur nous met à cœur de vous dire vraiment, vous qui êtes un, deux ou trois dans une maison, il faut rester ensemble pour la prière. Restez, regroupez-vous. Si vous êtes dans la même maison ou peut-être même vous êtes peut-être dans un même rayon, c'est mieux que vous soyez, vous mettez ensemble pour prier. Si vous êtes dans le même quartier, il faut que vous vous réunissez pour faire cette prière. Parce que le Seigneur fait quelque chose dans ce moment de 21 nuits là. Alléluia. Le Seigneur va démolir. Le Seigneur va démolir les forteresses du diable. Je vous le dis en vérité. C'est toute la terre que le Seigneur veut. Que tous les enfants de Dieu, Jésus revient, se mobilisent sur toute la terre. Pour ce programme-là, le Seigneur veut opérer. Alléluia. Le Seigneur veut opérer. Priez en famille. Regroupez-vous en famille. Et priez. Si vous êtes dans le même quartier, c'est bon. Ça ne vous coûte rien. Alléluia. 2 heures de moins pour votre sommeil. Alléluia. Ça ne vous coûte rien. Mais spirituellement, je vous dis, c'est fort. Je vous le dis en vérité, en vérité. Donc voilà la petite exhortation que le Seigneur me met à cœur à partager avec vous avant de partager avec vous les requêtes de ce jour. Je vous rappelle que nous sommes dans le deuxième jour, dans le pour la deuxième nuit. Alléluia. Donc pour commencer, en numéro 1, vous allez prier et confier ce moment au Saint-Esprit et lui demander de donner à tous les enfants de Dieu sur toute la terre de se réveiller vraiment pour ce programme. Et en 2, vous allez passer une dizaine de minutes dans la louange. La louange, ça réveille nos nerfs spirituels. Alléluia, ça réveille nos sens spirituels. Donc quand vous louez le Seigneur, l'Esprit de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu descend, le feu descend et vous êtes rempli. Alléluia, vous êtes rempli de feu. Donc vous allez passer une dizaine de minutes dans la louange. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez en train de prier, assis ou bien chaud là. On est vite fatigué. Mais quand la prière est accompagnée de louanges, on est en forme. Alléluia. Quand même l'ennemi te voit de loin, il sait, ce soldat-là, il est habile. Hein? Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Donc en point 3, vous allez prier et dire merci au Seigneur Jésus pour sa même puissance de grâce qu'il a été sur toi, qui a été sur toi au cours de la journée. Alléluia. En point 3. En point 4, tu vas prier et te repentir sincèrement pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés et tes faiblesses qui t'ont amené à attrister le Saint-Esprit au cours de la journée. Donc tu vas prier. Je vous l'ai déjà dit que les péchés dont vous ne faites pas l'effort d'abandonner, vous pensez que non, ce soir je vais confesser encore. Ah, tu es tombé dans la masturbation et tu dis certainement le soir je vais confesser, je vais demander pardon à Dieu. Je te dis, tu es en train de déchirer ton âme, tu es en train de torturer ton âme. Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous commettez un péché, c'est comme un coup d'épée que vous donnez à votre âme. Et c'est votre âme qui sauve. Donc ne vous amusez pas avec le péché. Alléluia. Donc vous priez, vous demandez vraiment pardon à Dieu pour tout péché. Peut-être des regards iniques, peut-être des paroles
et impures sont sorties de votre bouche, ou vos oreilles même ont entendu des choses impures, tout ça là, c'est du péché qui salit votre âme. Donc vous priez, vous demandez pardon au Seigneur. Alléluia. En point 5, vous allez prier et invoquer la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie, hein, afin de te donner la crainte totale du Seigneur et de sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 6, tu vas prendre le livre de Psaume 90, le verset 1er qui dit: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Tu vas prier avec cette partie et dire que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit et par son sang, soit un refuge pour toi et pour ta famille. Alléluia. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 7, tu vas prier que la puissance du Saint-Esprit soit le refuge de ton esprit et de ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit soit le refuge de ton esprit et de ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 8, tu vas prier que le feu puissant du Saint-Esprit soit un refuge pour l'étoile de tes enfants, pour ton mari ou ta femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu puissant du Saint-Esprit soit ton refuge, soit le refuge pour l'étoile de tes enfants, de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton ou de ton mari, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier en point 9, que la gloire du Saint-Esprit soit le refuge de tous les chrétiens de Jésus revient à travers le monde entier. Tu fais cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 10, tu vas proclamer avec puissance le psaume 64 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu proclames le psaume 64. Alléluia. En point 11, tu vas louer le Seigneur environ 5 minutes. Je vous l'ai déjà dit, il faut accompagner la prière avec des louanges. Alléluia, pour rester toujours vivant dans la prière. Donc, tu passes environ 5 minutes dans les lois avec des chants de louanges. En point 12, tu vas prier et invoquer la foudre de l'Éternel sur tous les autels de la maison de ton père et de ta mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foudre descende pour détruire tous les autels érigés dans la maison, dans la cour de ta maison paternelle ou de ta maison maternelle. Que la foudre de l'Éternel descende pour saccager, pour détruire, pour renverser, pour consumer tout ce qui est autel dans ces lieux-là. Au nom de Jésus-Christ. Tu pries en point 13 pour que la foudre, que le feu du ciel descende sur tous les autels du diable, des démons et de tous les esprits méchants sur tout le territoire du Bénin. Alléluia. Si tu es au Congo, ça veut dire que tu appelles le Congo. Si tu es au Cameroun, tu appelles le Cameroun. Si tu es au Mali, tu appelles le Mali. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu appelles la Côte d'Ivoire. Si tu es en France, tu appelles la France. Si tu es aux États-Unis, tu appelles le nom des États-Unis. Donc, tu vas prier que la foudre et le feu descendent du ciel sur tous les autels du diable et des démons, de tous les esprits méchants et de tous les esprits méchants sur tout le territoire du Bénin, du Togo, du Mali, de la Guinée, du Tchad, de la Mauritanie. Alléluia. En point 14, tu vas prier que toutes les loges maçonniques et sataniques qui se lèvent contre Jésus revient prennent feu par la puissance du Saint-Esprit comme au temps du prophète Élie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les loges maçonniques, sataniques, mystiques, les loges franc-maçonniques, les Illuminati, qui envoie des malédictions à travers des rituels sataniques contre le groupe Jésus revient, lui va prier que le feu descend, que le feu descend sur eux, que le feu descend, que le feu du Saint-Esprit descend pour
détruire toutes les semences au nom de Jésus. En point 15, tu vas prier que le feu de la colère de Dieu embrase toutes les confréries de sorcellerie de ta famille qui se lèvent contre toi et contre tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 16, tu vas prier que tout esprit de sorcellerie qui utilise ton mari ou ta femme ou tes enfants pour atteindre à ta vie, pour porter atteinte à ta vie, soit délogé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 17, tu vas prier que tout miroir de sorcellerie utilisé pour te localiser, alléluia, ou localiser tes enfants, soit brisé par l'épée de l'ange de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout miroir de sorcellerie utilisé pour te localiser et localiser tes enfants, soit brisé par l'épée de l'ange de l'Éternel. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les miroirs, hein, les miroirs dans le monde astral, les miroirs dans le monde des eaux, les miroirs dans les couvents de sorcellerie. Tu vas prier que l'épée de l'Éternel descende pour briser ces miroirs, que le marteau descende pour détruire ces miroirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 19, tu vas prier. En point 18, tu vas prier et dire à ton esprit de ne plus répondre en esprit à un esprit qui l'appelle par ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parfois, vous êtes dans le sommeil comme ça. Et les sorciers appellent leur rituel. Après leur rituel maintenant, ils vous appellent comme ça. Et vous entendez votre nom comme ça. Et vous sursautez du sommeil. C'est parce qu'on a appelé ton esprit depuis le monde de la sorcellerie. Et désormais, toi, tu vas prier. Et dis à ton esprit de ne plus répondre à aucun esprit qui t'appelle en esprit. Au contraire, que le sang de Jésus répond à ta place. Que la puissance de Jésus-Christ répond à ta place. Que le Saint-Esprit répond à ta place. Alléluia. Donc tu pries ainsi au nom de Jésus. En point 19, tu vas prier et dire à ton âme de se lever et de combattre tous les esprits qui se lèvent contre elle. Dis-lui d'exercer l'autorité. Car depuis Golgotha, Satan est sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ordonnes à ton âme de se lever et de combattre tous les esprits qui se lèvent contre elle. Car depuis Golgotha, Satan est mis sous tes pieds et tu es devenu une autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu fais cette prière. En point 20, tu vas prier et commander à ton âme d'aller récupérer sous la protection de l'archange Michael, de l'ange de l'Éternel, l'archange Michael, tout ce qui lui est destiné, mais qui a été volé dans le spirituel. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu ordonnes à ton âme de se lever, d'aller récupérer, alléluia, d'aller récupérer tout ce qui lui a été volé, tout ce qui lui a été destiné, mais qui lui a été volé. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu demandes à ton âme d'aller récupérer son mariage, d'aller récupérer et ses grâces, d'aller récupérer ses dons spirituels que l'ennemi a volé. Tu pries que ton âme se lève à récupérer cela. En point 21, tu vas passer maintenant encore une dizaine de minutes dans la louange, toujours pour recharger. Alléluia. Il faut se recharger. Quand tu tires, il faut un moment pour recharger. Alléluia. Soyez fortifiés. En point 22, tu vas prier. Alors le psaume 144, tu prends le psaume 144. Il y a certains qui disent que non, on ne doit pas
utiliser les psaumes. Ceux qui, les satanistes qui utilisent le psaume de façon maladroite pour faire du mal aux enfants de Dieu. Le psaume, c'est pour nous. D'abord, tous les passages de la Bible nous appartiennent là. La Bible, c'est la parole de notre Père. C'est la parole de notre Dieu. Ce n'est pas pour les satanistes. Ce n'est pas pour les christianistes célestes. Ce n'est pas pour cela. C'est pour les enfants de Dieu qui vivent dans la sainte doctrine. Donc, tu peux utiliser n'importe quel passage de la Bible pour prier. Donc, il y a certains qui disent qu'on ne doit pas utiliser son pour prier. On ne doit pas cela. Alléluia. Tu peux utiliser le livre de Matthieu selon les versets que le Saint-Esprit t'inspire. Alléluia. C'est différent par rapport à ceux qui sont dans les ténèbres et qui utilisent des psaumes pour faire du mal, pour faire des voyages astrales, pour faire leurs bêtises. Nous, nous sommes dans la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc, nous pouvons utiliser tous les versets bibliques que le Seigneur nous inspire pour prier. Ce n'est pas que les psaumes. Ésaïe, Matthieu, Jean, tout ce que l'Esprit de Dieu nous inspire comme arme de guerre que nous pouvons utiliser. Parce que chaque parole de la Bible, là, il faut savoir que c'est une bombe, c'est une missile. Ça dépasse même la bombe atomique de la Russie. Alléluia! Notre bombe, là, ça dépasse toutes les bombes atomiques de la Terre. C'est pour ça que quand tu dis le nom de Jésus, ça fait boum. Quand tu dis, chaque fois que tu dis au nom de Jésus, ça fait boum dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Soyez fortifiés. Donc, tu vas prier avec le psaume 144, le verset 5 à 6 qui dit, « Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. » Vous voyez que ça, c'est une missile. Alléluia. Ça, c'est des paroles dangereuses contre le monde des ténèbres. Donc, toi, tu vas prier avec ce passage. Tu vas prier que le Seigneur lance ses flèches contre les Goliaths de ta maison, de ton père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur lance ses flèches contre le Goliath de la maison de ton père. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 23, tu vas prier que le Seigneur lance ses flèches contre le Goliath de la maison de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 24, tu vas prier que par ses flèches et les éclairs, que le Seigneur disperse tous les ennemis spirituels qui s'unissent contre toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 25, tu vas prier que tout homme ou toute femme de ta famille incarnant le Goliath qui se lève contre toi soit frappé de tourments et de honte et qu'il vienne confesser ses projets contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 26, tu vas prendre le psaume 118, le verset 10-11 qui dit « Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Alléluia. Tu vas prier avec ce passage et que tu vas prier que l'épée de l'ange de l'Éternel, tout animal de sorcellerie venant contre toi, soit découpé, découpé et taillé en pièces au nom de Jésus. Alléluia. Que par l'épée de l'ange de l'Éternel, tout animal de sorcellerie venant qui se dresse contre toi, parfois la nuit, quand tu dors, tu vois des géants, des animaux bizarres te pourchasser. Tu vois le chien te pourchasser. Tu vois le cochon te pourchasser. Tu vois le lion te pourchasser. Alléluia. Oh, toi, tu as le lion des lions, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Est-ce qu'un petit policier peut pourchasser l'enfant d'un président? Alléluia. Est-ce qu'un petit agent peut pourchasser un prince, le fils d'un roi? Non. Alléluia. Tout ce que toi tu ordonnes, ça vient en accomplissement. Si tu as la foi, si tu connais ce que tu es, alléluia, et si tu obéis, c'est la condition.
pour être efficace dans le combat spirituel, il faut que tu obéis à la parole de Dieu. Il faut que tu abandonnes l'iniquité. Il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu sortes des péchés. C'est le premier combat à mener. Parce que tu ne peux pas tirer contre le diable alors que ta main est sale. Alors que ta main est mouillée. Tu es mouillé dans le péché. Quand tu commences à prier, il va te dire non, diminue le volume. Alléluia. Mais quand tu sais que, alléluia, tu es tranquille. Alléluia. Tu pries. Et tout ce que tu demandes, ça descend. Alléluia. Donc tu vas prier. En point 27, toujours tu pries avec la puissance. Tu pries avec puissance. Que l'ange de l'Éternel délivre totalement ton âme de toute prison tenue par le Goliath de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En point 28, tu vas prier que tout Goliath établi comme geôlier, c'est-à-dire le gardien de cette prison spirituelle, soit frappé par la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prison dans laquelle tu te trouves, et le diable a mis un geôlier, c'est-à-dire un gardien, un démon qui est chargé de te surveiller pour que tu, afin d'empêcher ton évasion, tu pries. Tu pries que la foudre de l'Éternel s'abat sur lui. Qu'il soit frappé. Ce gardien, ce geôlier, qu'il soit frappé au nom de Jésus. En point 29, tu vas prier que la foudre, le tonnerre et des pierres du ciel frappent tout Goliath qui tient ton mariage et ton enfantement. Tu as bien compris que de la foudre, du tonnerre et des pierres descendent du ciel pour frapper tout Goliath qui tient ton mariage ou ton enfantement en otage. En point 30, tu vas prier que tous les yeux des sorciers établis comme des guetteurs, les yeux qui t'espionnent en cachette, des yeux qui te surveillent, des yeux qui te contrôlent, des yeux des sorciers qui te guettent, soient crevés par l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 31, tu vas prier que tout Goliath se levant physiquement contre toi soit humilié publiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 32, tu vas prier que la gloire du Saint-Esprit fasse disparaître les ténèbres qui couvrent ton étoile et qu'elle brille puissamment à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit ton étoile, que ça soit l'étoile de tes enfants, que ça soit l'étoile de ton mari ou de ta femme, tu pries que la gloire du Saint-Esprit fasse disparaître les ténèbres qui les couvrent et qu'elles brillent. Alléluia. En point 33, tu vas prier. Tu vas passer encore quelques moments de louange, environ 5 minutes de louange toujours pour encore recharger. Alléluia. Et en point 34, maintenant, tu vas prier que le Seigneur qui a délivré Daniel de la fosse au lion te délivre totalement durant ce programme de 21 nuits de prière. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. En point 35, tu vas prier que tout sorcier qui attaque la manifestation des dons spirituels dans l'église Jésus revient soit dévoilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 36, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de traiter les ennemis de Jésus revient comme il a traité Ananias et Saphira, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En point 37, tu vas prendre le livre de Genèse 3, versets 22 à 24. Et tu vas prier que le Seigneur poste, c'est-à-dire tu vas prier le Seigneur de poster désormais deux chérubins aux portes de chaque temple de Jésus revient et qu'il soit sans pitié à l'endroit de ceux qui viennent envoûter l'église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les églises, Jésus revient dans tous les pays. Tu vas prier le Seigneur de poster deux chérubins aux portes de chaque temple
Jésus revient. Et qu'il soit sans pitié à l'endroit des esprits méchants, à l'endroit des sorciers qui viennent envoûter l'église. Qu'il soit sans pitié. Tu fais cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas prendre, en point 38, tu vas proclamer Ésaïe 31, le verset 4 à 9. Tu vas proclamer cela. En point 39, tu vas encore louer. Alléluia. Tu vas louer le Seigneur avec des chants de victoire. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a déjà eu la victoire à Golgotha. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est dessiné. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est dessiné. Tout est accompli. Victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est puissante. Amen. Ta parole est puissante. Amen. Jésus, ta parole est lumière. Amen. Ta parole est lumière. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Je vous le dis en vérité, nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais la victoire est déjà acquise. Donc tu combats dans la victoire. Alléluia. Et quand tu respectes les règles du combat, selon la parole de Dieu, selon la sainte doctrine, c'est que tu vas voir cette victoire s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu vas voir cette victoire s'accomplir dans ta vie. Donc voilà, peuple de Dieu, et sur ces requête, tu vas clôturer avec une prière de fin et vous allez vous attraper les mains, vous allez vraiment bénir le Seigneur parce que le Seigneur, il est victorieux. Alléluia! Il est victorieux. Lui, quand il combat, c'est toujours par chaos qu'il bat le camp de l'ennemi. Alléluia! Donc, par la puissance du Saint-Esprit, la victoire est totale. La victoire est total et sera toujours total. Car le Goliath de ta vie est tombé. Il est écrasé. Il est décapité. Alléluia. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu. Et je vous le rappelle toujours que n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. Parce que beaucoup de choses veulent se passer. Donc chaque fois que le Seigneur vous visite, hein, dans ce programme, il faut que tout de suite vous envoyez le témoignage pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les autres qui ne croient pas à la sainte doctrine, qui ne croient à rien de la parole de Dieu. Il faut que vous envoyez vos témoignages pour les édifier, pour qu'ils sachent que ah, nous ne combattons pas dans le vide, mais effectivement, les cibles sont en train d'être atteintes, d'être terrifiées. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout conduit, il a tout conduit. Jésus a tout conduit. Le roi des rois. Il a tout conduit. Il a entendu, il a entendu. Jésus a entendu. Le roi des rois. Il a entendu, il a exaucé, il a exaucé. Jésus a exaucé, le roi des rois. Il a exaucé, il t'a délivré, il t'a délivré. Jésus t'a délivré.
le roi des rois. Il a délivré, il t'a guéri, il t'a guéri. Jésus t'a guéri, le roi des rois. Il t'a guéri, il t'a libéré, il t'a libéré. Jésus t'a libéré, le roi des rois. Il t'a libéré, il t'a détaché, il t'a détaché. Jésus t'a détaché, le roi des rois. Il t'a détaché, il t'a consolé, il t'a consolé. Jésus t'a consolé, le roi des rois. Il t'a consolé, il t'a restauré, il t'a restauré. Jésus t'a restauré, le roi des rois. Il t'a restauré, il t'a élevé, il t'a élevé. Jésus t'a élevé, le roi des rois. Il t'a élevé, il t'a positionné, il t'a positionné. Jésus t'a positionné, le roi des rois. Il t'a positionné, il t'a mandaté, il t'a mandaté. Jésus t'a mandaté, le roi des rois. Il t'a mandaté, il a tout fait, il a tout fait. Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait. Seigneur Jésus, je te bénis. Merci, infiniment merci pour ce moment, papa, pour ces requêtes, pour ces paroles d'édification et de réconfort que tu passes par nous pour transmettre à son peuple. Moi, je ne suis qu'un micro. Je ne suis vraiment qu'un entonnoir, un instrument que tu as formé vraiment pour et conduire ton peuple. Alors Seigneur, tous tes brebis qui vont faire ces prières, papa, je te prie Seigneur de les accompagner, de les exaucer, de les visiter, papa, de manière surnaturelle, papa, pour que leur témoignage soit grand, papa. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Shalom, shalom, shalom. Merci.